drop in the ocean. Eh bien bonjour à tous les amis, c'est Voz. Et regardez-moi ça en début d'épisode, si c'est pas magnifique. Ah là là, bon bienvenue les amis pour l'épisode 6 de notre incroyable aventure sur Stranded Deep. Et oui, déjà l'épisode 6, enfin je pense hein. Oh je sais plus quel épisode on est, mais je pense que c'est bien le 6. Et là j'étais en train de me promener, voilà, en attendant que la nuit passe totalement pour que je vous retrouve. J'étais en train de me promener et je suis en train de me dire, mais en fait les amis, est-ce que je suis débile pour de bon? Vous savez, la fracture, il faut de la morphine, je m'étais renseigné, voilà, il faut de la morphine et tout. Mais regardez. Attendez, c'est où? Ah oui, c'est là. Non, c'est pas là. C'est dans consommable. Et regardez, attelle. Une attelle. Ça sert à quoi, les attelles? Ça sert pour les os cassés, non? Donc je suis à deux doigts de bouillir, hein, je vous le dis. Mais pourquoi on n'a pas fait... Oh. Attendez. Oh bordel, on va vite chercher ça. Il faut qu'on soit cette attelle, les amis. Je suis désolé de ne pas l'avoir vu avant, cette attelle, mais c'est totalement fou. J'espère qu'on va aller mieux après. Une attelle, mais oui, mais je suis débile. On peut se faire des attelles. Oh là là, c'est trop bien. Et je l'ai pas vu avant. Purée. Ah oh là là, je suis désolé, les amis. Depuis le début de la série, notre personnage, il souffre d'une fracture et nous, on peut pas l'aider, surtout que c'était sous notre main. Ok. Ah oui, il faut deux cordes. Allez. Bon, j'espère que l'épisode précédent vous a plu, hein, les amis. Hein. Je vous rappelle que dans l'épisode précédent, on avait fait une rencontre inattendue avec un gros requin, hein, je vous le dis. Hein. Alors lui, par contre, il voulait notre mort. Hein. Voilà, je vous le dis, lui, il voulait notre mort. Je pense pas qu'il voulait nous faire un bisou, hein, lui. Hein. Je vous le dis. Hein. Vu comment il était, le bordel, et vu comment il nous a chargé. Voilà. Donc, c'était... Qu'est-ce qu'il y a? Que se passe-t-il? Fracture, ouais, je sais. Il a 6 jours qu'on est naufragé. Ça fait depuis 6 jours qu'on est naufragé. Terrible. Alors, on fabrique ça aussi. Et après... Est-ce qu'on peut fabriquer la telle? Oh là là. Bricoler. Attelle dans votre sac. Ok. Montre-moi. Non, c'est pas là, c'est ça. Utiliser. Oh! Et on peut recourir! Oh my god! On a mis une attelle! Mais c'est tout. Non mais je suis à deux doigts de bouillir. La vie remonte. Attendez, je regarde bien. Je crois que ça remonte. Mais non mais... Pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Enfin pourquoi je l'ai pas vu plus tôt? Regardez comment c'est... Mais c'est trop réaliste, je kiffe ce jeu. On a mis une attelle dans notre fracture. Enfin les amis. Bref, allez on va vite fait trouver quelques noix de coco s'il y en a s'il vous plaît. Et après, comme je vous ai promis, on va voir les bubules. Enfin, les autres bubules, hein, parce que les autres bubules, comme vous le savez, elles sont grandement protégées par un énorme requin, bordel. Donc on va éviter d'y aller. Il n'y a pas un fruit là qui a repoussé? Non. Attendez. Là, j'ai pas l'impression que la vie remonte pour le moment, mais on va essayer de reboire un coup là. Une petite tempête, je dirais pas non, qui pleut un peu. Il y a une autre coco. Attendez, mais ça veut dire, est-ce qu'on peut ressauter maintenant? Non, mais attendez. C'est trop bien. Prends la noix de coco, s'il te plaît, Michel. Deux noix de coco! Allez, c'est bon. Il nous régale cet arbre. Je suis fier de lui. Après, est-ce que là, il y aurait une troisième noix de coco pour le plaisir? Non, que deux? Comment aller notre montre? Ça nous fera 4 barres à peu près. C'est pas mal. Allez, oh là là, on peut courir! Mais ça fait tellement plaisir. Oh là 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 là. Les amis. Non mais c'est terrible. Ça fait tellement plaisir de courir. Allez. Hein. Je suis à deux doigts de bouillir. Bref, alors. Ok. C'est nickel. Alors. Ça c'est fait. Ok, l'autre. T'es là.
Et ça c'est fait. Allez, on va boire un coup. Ça fait du bien de boire. Hop, c'est nickel. Et on les balance. Par... Non, pas ça. Par terre. Est-ce que c'est nickel? Ok, on est refait là. Là on est pas mal, on est plutôt pas mal. Allons, on y va. Donc, allons voir ces petites bulles qui sont là-bas. Par là-bas, je les vois. Bon, c'est parti les gars. Bon, j'espère qu'on va pas recroiser le même requin. Ça serait con. Ça serait même très con. Oh mais regardez, mais c'est... J'adore. Non mais c'est magnifique. Wow, wow, salut toi. J'ai pas l'impression... Attendez, on va remonter à la surface. Où sont les bébules? Là-bas. J'ai pas l'impression qu'il... C'est magnifique. Oh, une épave. On va remonter à ça. Je crois... Attends. Oh! Il y a le gros poisson que je vous ai parlé, rappelez-vous. Dans... Je sais plus quel épisode, la première fois qu'on était allé explorer l'épave. La toute première épave. Eh ben, j'ai vu la même bestiole. Rappelez-vous que j'avais dit que c'était après l'ellipse. J'avais dit qu'il était beaucoup plus gros qu'un requin, le bordel. Bon, regardez. Il est énorme. Mais c'est quoi ce bord? Regardez la tête du requin à côté de lui. Non mais c'est terrible. Là c'est terrible hein, ce poisson. Il est magnifique. Bref, l'épave elle est là. Non mais j'adore ce jeu. J'adore ce jeu. Allez, on va reprendre de l'air. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Attelle. Bah oui, j'ai une attelle maintenant. On plonge les amis. On plonge. Oh putain. M'a fait peur. Ouais, mais il y a les abysses en dessous. Oh, il m'a fait peur. Oh, j'ai sursauté comme jamais. Hein. Alors. Oh, il y a une caisse là. Prends la caisse. Nickel. On remonte. On remonte, on remonte. Oh. Oh là là. Ah bah oui, ça fait du bien de remonter. Mais qu'est-ce que... Oh, il m'a fait peur quand je suis descendu. Oh bordel. Ah, ils m'ont fait peur. Qu'est-ce que c'est? Oh, oh bordel. Oh bordel. Saleté va, je te vois. Je te vois. Saleté. Oh l'enfoiré. Oh il a essayé de me prendre par derrière, regardez-le. Ah ouais, mais maintenant je l'ai ramené vers la plage. Regardez-moi la bête. Ouais ouais, bah casse-toi, casse-toi. Laisse-moi avec mes petits requins à moi là. Oh, oh mon cœur. Ah non mais là. Ah non mais là c'est terrible. Là c'est terrible. Ah non mais mon cœur il suit plus, il va plus suivre. Allez, montre-moi ce qu'il y a là-dedans. Oh, qu'est-ce que c'est? Batterie de véhicule? Tissu? Et injonction de véhicule? Pièce d'une machine volante? Pardon? Pièce d'une machine volante? Pardon? Mais non! C'est terrible. Ah là, c'est terrible. Ah non mais là, comment ça une machine volante? On m'explique le délire ou pas là? Attendez, je viens de comprendre. Une machine volante, peut-être un avion? Autant on va pouvoir quitter cet endroit pour de bon.
Enfin, on a que les pièces, on se détend, on n'a pas le reste, hein, les amis. On va se détendre un peu là-haut. Dites-moi, qu'est-ce que c'est que ça là? Oh, par contre, waouh, je pense que début d'épisode, oh là là, les frayeurs. Oh, il m'a fait peur. Oh, Juju. Ah, il m'a fait peur le bordel. Donc, en fait, si je comprends bien, que ce soit sur les bubules là-bas ou sur les bubules là-bas, il y aura toujours le même requin qui va protéger les épaves. Par contre, celle-là d'épave, elle était en mode profond. Oh, il y avait les abysses pas loin à côté là. C'était terrible. Bon, par contre, s'il vous plaît, là, j'aimerais bien, maintenant qu'on a une attelle, ma vie reste dramatique. Donc, les amis, je pense qu'on a dû prendre vraiment ce qu'il y avait de bien dans cette épave. C'est-à-dire les pièces de la machine volante là, le bordel là, je sais pas quoi. Et on va retourner aux autres bubules alors. Je vous le dis, on va retourner aux autres bubules. Par contre, à ça, où est notre coco? Il n'y a plus de notre coco, bordel. Ça se mange pas, ça non? Aïe aïe aïe. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Comment on fait? C'est terrible. Ma soif, c'est terrible. En fait, pour arrêter de reperdre de la vie, il faut pas qu'on soit déshydraté. Donc, comment dire? Bon, ça et quoi? On va retourner à ces bubules. On va retourner à ces bubules vite faf de vite fouf. Par contre, je vais sauvegarder. Parce que si je me fais bouffer, on n'est pas dans le caca. Quelle heure est-il? Oh, il est 13h. On est en plein milieu de la journée, ça tombe bien. Hop. Donc là j'ai rien. Ah non mais c'est nickel ça. Hein. Ça c'est nickel. Hein. Les pièces de véhicules volants là, je sais pas quoi le bordel. Ah ouais, on peut sauter maintenant. Allez, on y va. On y va, on y va. Par contre, ah ouais, mais il va être là. Hein. Il va être encore là. Hein. Mais vu qu'on l'a attiré sur les autres bubules là-bas, peut-être qu'il sera plus là. Oh! Il y a le gros poisson et le gros requin blanc, hein, je vous le dis, hein, ils sont là, tous les deux. Non mais pars, s'il te plaît, mon pépère. Non mais il est énorme, ce poisson. Oh, oh, on dirait ma prof. Bref, qu'est-ce qu'on fait? Regardez-le, regardez-le. Sale bête. Ah, sale bête. Vous pensez... Attendez. Vous pensez qu'on peut le blesser, ce requin? Je peux pas le blesser avec... Mais tout à l'heure, quand il a essayé de nous attaquer, je crois que j'ai mis un coup de lance. Viens, 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 tu vas voir, moi, je vais t'apprendre de la vie. Non, je rigole, hein. Bref, vous pensez un arc, ça... Oh, putain, il est énorme. Ça sert à quoi, un arc? On est d'accord que ça peut nous servir contre le requin, non? Un arc? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. J'y vais. Allez. On va porter nos colonnes. Oh oui! On le blesse! Ok. Il m'a fait peur. Hein. On l'a blessé. Oh, je suis coincé dans l'épave. Vas-y, reviens. Viens, 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 ma couille. Il a essayé de nous croquer, on est d'accord? Il m'a pas touché. Oh putain. On se casse. Oh les amis. Mettez des GG. Hein. Mettez des GG dans les commentaires. Hein. Oh, on l'a blessé. Enfin, on l'a blessé. Je sais pas si on l'a blessé, mais on l'a touché. Il a eu mal. Il a essayé de nous croquer juste après, le bordel. Hein. Je vous le dis. Donc, qu'est-ce qu'on a dans cette caisse maintenant? Alors. En fait, on a toutes les pièces du véhicule volant. On peut pas se faire un avion là directement, non? On est bien parti pour là, non? Vous ne pensez pas? Non, vous non? Non? Ok, ça marche. Ok. C'est trop bien. Les gars, c'est trop bien. J'espère que vous aimez cet épisode. Il y a beaucoup d'action dans cet épisode 6. Hein. Bordel. Il m'a fait peur. Hein. Ils m'ont fait peur. Y aurait-il un fruit? Toujours pas. C'est terrible. Y aurait-il des noix de coco? Ça, par contre, ça serait bien. Parce que là, on commence. Il faut pas qu'on soit déshydraté. C'est tout ce que je demande.
Donc, mes chers petits palmiers, je vous aime beaucoup, vous savez. Donc, s'il vous plaît. Ou la pluie. La pluie, je t'aime beaucoup aussi. Non? Que dalle, hein. Vous savez quoi? En attendant, on va retourner à l'épave, à celle-là d'épave. Parce que je suis pas sûr qu'on ait tout fait. Ça, on va récupérer. On a vu tout pris là-bas dedans, bien sûr. Allez, hein. C'est parti, c'est parti. On va voir si on a tout récupéré là-dessus. Regardez-le! Il est énorme! Y'a pas le gros? Ah, on peut pas le pêcher. Dommage. Elle est où l'épave? Ah oui, c'est allé plus loin. Ok, on remonte à la surface un peu. Qu'est-ce que c'est que cette sombrerie là? Ok. Hein. Le requin. On va reprendre la lance. S'il est là, le bordel. Je pète un boulard. Hein. C'était sur quoi qu'on n'avait pas vu? Ce côté-là, on avait vu, on est d'accord. Hein. C'était dans l'autre côté. Hein. Attendez. Alors, allez, on fouille. Ah ouais, on peut nager plus vite maintenant qu'on a une attelle. C'est trop bien. Ah bah en fait, on avait tout visité. Hein. Il y avait strictement que dalle. Hein. Ouais, des chiottes. Vite. Bah ouais, on peut remonter en mode vite fait maintenant. C'est bon. On risque plus de se noyer, les amis, hein, je vous le dis. Hein. Ok, on reprend un peu... Allez, on y retourne. Il n'y a que dalle. Il n'y a plus rien. On a tout fouillé dans cette épave. Oh, c'est un oursin caché. Malin, malin. Ouais, on a tout fouillé. Allons, on se casse. On se casse, on se casse. En plus, il est en train de faire nuit. Allez, quelle heure est-il? Oh, on va être déshydraté. Non, faut pas. Hein. Faut trouver une noix de coco et vite. Non, mais ils ont pas eu le temps de pousser encore les noix de coco. Là, c'est une farce. C'est une rigolade. Qu'est-ce que c'est que cette sombrerie? Voyons, mes amis. Non, mais vraiment? Ils donnent plus de noix de coco, les palmiers? Il se passe quoi? J'ai pas payé mon... Hein? J'ai pas payé mes impôts, il se passe quoi? J'ai plus de nourriture? C'est quoi le délire? Elles sont confinées aussi, les noix de coco? Non, mais sérieusement, ils sont où? Elles sont où, les noix de coco? Je suis à deux doigts de bouillir, là. Qu'est-ce que c'est que cette sombrerie? Bah voyons! Non, mais vraiment, les gars? Ah non, mais ça va pas le faire. Hein. Ah non, mais ça va pas le faire. En plus, il va faire nuit. C'est une noix de coco là-haut que je vois? Dis oui. Dis-moi oui, s'il te plaît. Ou j'ai rêvé encore une fois. Je rêve beaucoup hein, dans cette série. J'ai rêvé. J'ai totalement rêvé, bordel. Mais comment on fait, là? Oh non, on va mourir de soif, vraiment? La pluie, s'il te plaît. Arrive. Non! Oh, bordel. J'ai peur. On a fait tous les palmiers, il n'y a pas de noix de coco. Oh, pitié. Ça risque d'être problématique, ces conneries. Ouais, il va falloir que j'aille repêcher. Oh non, mais comment on va faire? Heureusement que j'ai pas coupé les arbres, hein, quand même, hein, les palmiers, parce que, bordel. Déjà que là, on n'a pas de noix de coco, mais si je les aurais coupées, ben, on serait pas dans la merde non plus. Non, y'a vraiment rien, hein. Ça a pas poussé. Ça a pas poussé, bordel. Y'a que dalle. Oh, bordel. Fait du bien de courir, hein, quand même. Attends. Oh non! Je voulais aller pêcher avant qu'il fasse nuit. Oh, bordel.
Oh mince, là on est dans la merde. Là je vous le dis, on est dans la merde. On va sauvegarder. Ah là on est dans le caca. Hein. Ah là les amis, on est dans... Attendez. Eh ben non, il a pas plu. Pourquoi il y aurait de l'eau? Ah là on est dans... Là on est dans un petit caca là. Ah, attendez. Attendez, c'est pas fini. Consommable. Donc la telle on l'a fait. Bandage, on en a pas besoin. Donc ça, on sait pas ce que c'est. Potager en bois. À quoi ça sert? Radeau. Non mais sérieux, on peut vraiment faire des radeaux? Attendez. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça là? Requiert niveau de bricolage niveau 6. Ouais? D'accord? Bon bref. Shit. La canne à pêche aurait été bien. Quelle heure est-il? Oh, on va mourir. Mais non! Non, je m'y refuse. On mourra pas. Dès qu'il fera jour, on va rechercher de la bouffe. Beaucoup de bouffe. Beaucoup de... Bah, il n'y a plus de noix de coco. Oh, bordel. Oh, ça veut dire qu'on va être obligé de faire un truc. J'ai bien peur qu'on va être obligé d'aller sur une autre île. Et sur une autre île, d'aller chercher beaucoup de noix de coco, de les mettre dans le radeau et de les ramener ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, les amis? Je sais pas. Parce que là, je vais dormir, je serai déshydraté, hein, je vous le dis. Putain. Peut-être qu'il y aura des noix de coco qu'on va pousser demain. On va attendre 20h. Ah, c'est pas vrai, hein. Quel dommage. Attendez, qu'est-ce qu'on n'a pas fait encore? Fumoir. Mais ça sert à quoi un fumoir, nom d'une pipe? Faut une bâche. Du bois, une corde. Est-ce que j'ai... Est-ce que j'ai des cordes? Attendez. Est-ce que j'ai des cordes? Est-ce que j'ai des cordes? Non. Ah! Parce que... Quelle heure est-il? 19h27. Bon, les gars, je vous fais une petite ellipse et je vous retrouve juste après. Allez, les amis. Ok, re, les amis, hein. Alors là, c'est dramatique, hein. C'est dramatique ce qui se passe, c'est dramatique. Regardez, on est en train de perdre de la vie. Encore une fois. Donc, c'est terrible. Par contre, j'ai pensé à un truc. Jus de coco vide. On est d'accord qu'il est écrit vide. On va la ramasser. Je vais essayer un truc. Si on met de l'eau là-dedans. Est-ce qu'on peut mettre de l'eau? Et non, vide. Une noix de coco écorcée pour se réhydrater peut étancher la soif ou être brisée en plusieurs morceaux pour être mangée. Non mais d'accord. Bon, on peut pas mettre de l'eau dedans. Attendez, peut-être qu'on a mal... Ouais. Peut-être qu'on a mal su faire ça là. Il y a une gourde là. À quoi sert-elle? Attendez. Attendez, attendez. Parce que là, je suis de bouillir. Noix de coco. Il n'y a plus de noix de coco sur l'île. Regardez. C'est terrible. On est en train de crever. C'est terrible. Là, je sais pas quoi dire. Ouais, bah, je suis désolé, mais ça va pas être possible. Donc, épisode prochain, directement, les amis, vous en doutez. On part de l'île, on va sur une autre île. Faut qu'on trouve de la bouffe. Oh, retour. Hop. Faut qu'on... Ouais. Il faut pas que je meure de faim, parce que sinon la vie, elle va descendre encore plus vite, les amis. Donc ouais, donc là, on n'aura pas le choix. On prendra le radeau et direction... Eh ben... Direction une autre île. Une autre île quelconque, parce que là, ça va pas le faire. Là, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Faut vite que je trouve de la bouffe. Regardez! Là, c'est dramatique, hein.
Là c'est dramatique, là c'est dramatique ce qui est en train de se passer. Attendez. Hop, on prend. Ok, les Nemo ils vont me péter les robignoles encore. Ok. Attendez. Attendez, attendez. Nickel. Ma bouffe. Ok. On va cuire tout ça. D'abord. Allez, vite, hein. Vite, on est en train de mourir de soif. On va mourir de faim si on continue. C'est terrible. Attendez, déjà. Déjà. Faut vite faire ça là, dites-moi. Le feu de camp a consommé tout le bois. C'est une blague. Oh, les gars, on n'est pas dans la merde. Vite, du bois. Non, c'est pas ça. Ça. Oh, c'est pas vrai. Allez, plus vite, hein. Nickel. Donne-moi tout ça, s'il te plaît. Encore un là. Nickel, vite. On se casse. Vite! Ok. Ok. Allez, les amis. Hein. On allume ça. Il faut que ça cuit. Allez, plus vite. Nickel. Ensuite. Oh. Damn it. On meurt. Hein. On meurt. C'est pas vrai. On mourra pas. Gross. J'ai confiance en nous. On a enfin réussi à gérer notre problème de fracture. On s'est mis une attelle. Moi j'ai confiance en nous. J'ai confiance en nous. Il faut vite que ça cuit. Après on prend vite. Attendez, au cas où. On va refaire un tour. La tête des noix de coco. Je vous en supplie, Dame Nature. Je t'en supplie. Fais ça pour moi, s'il te plaît, Dame Nature. Pourquoi tu ne produis plus de noix de coco? C'est normal qu'il n'y a plus de noix de coco, d'ailleurs. Je comprends pas. Faut attendre combien de temps avant que ça repousse? Oh, les gars, on meurt. On meurt de ouf. Mais ça va donner quoi si on meurt de... de faim et tout? Que là j'ai bien peur que voilà quoi. Oh là là, c'est terrible, c'est dramatique. Déshydratation, jure, je savais pas. On a, et il a pas plu, hein. C'est terrible. Vous êtes sûr qu'on peut pas remplir les noix de coco là d'eau? C'est mal fait. Attends, j'ai fait tomber ma lance, même pas en rêve. Attendez. Non, pas ça. Non, pas ça non plus. C'est pas vrai.
Ok. On va essayer. On va essayer. Ça redonne pas d'eau. Ça ne redonne pas d'eau, ça ne redonne pas d'eau. Je pensais que ça allait redonner de l'eau. Ça aurait pu. Merde, je l'ai mangé. Je voulais voir. Oh, mais c'est pas vrai. Est-ce que vous pensez... Bah non. Bien sûr que non. Et mince, c'était pas cuit. Là, les amis, notre coco, sûr. Oh bordel, c'est la fin. C'est la fin de tout espoir. De tout espoir de vie. Les amis, j'en ai bien peur que nous allons décéder. Nous allons décéder de soif. Mais je refuse. On revivra. Y a intérêt. Par contre, ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas. Pourquoi il n'y a plus de noix de coco? Pourquoi il n'y a plus rien? On a dépouillé cette île. Vous savez ce que ça veut dire, hein? De toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein. Ça veut dire que... on va se casser de cette île. On va se casser de cette île, on va se casser de cette île. Remonte un peu! Non, elle descend! Bordel. Bon, attendez, je perds pas espoir. La vidéo durera un peu plus longtemps celle-ci, mais je m'en contrefiche. Qu'est-ce que... Et là, il y avait un fruit aussi la dernière fois. Pourquoi il repousse pas le bordel? Ouais, non, c'est la fin. C'est la fin de toute fin. Toute fin de toute fin, les amis. Je suis navré. Mais là, comment dire? Et ça, qu'est-ce que c'est à l'OS? L'OS peut être appliqué sur la peau pour traiter les coups de soleil. C'est une vanne. On peut attraper des coups de soleil aussi. On va mourir. Bah allez, on retourne au camp. Nous allons mourir en héros au camp. C'est parti. Mourons en héros. Mourons de soif. De toute façon, c'était pas facile, hein. On a survécu pendant 6 jours. Et encore, on est mort une fois. Mais là, ouais, je sais pas comment ça va faire. Parce que si on meurt de soif, normalement, quand on meurt, on reprend la dernière sauvegarde. Mais ma dernière sauvegarde, je serai toujours en mode soif, quoi. Ça va donner quoi si on... Attendez. Au cas où. Je comprends toujours pas ce truc. On est mort. On est mort. Vous êtes mort de déshydratation. Vous avez survécu 7 jours. Bon, bah, deuxième mort du jeu, les amis. Aïe, 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 aïe. Fallait que ça arrive. De toute façon, je le voyais venir. Je le voyais venir et je vais pas vous cacher que... c'était surtout par rapport à la fracture. Voilà, si on serait pas tombé de l'arbre, on aurait survécu beaucoup plus longtemps. La fracture nous a vraiment endommagé, vraiment, depuis le début de l'aventure. Et là, c'est vrai que c'est terrible, quoi. C'est vraiment terrible. Donc, on va voir comment ça se fait. On va voir quel a été, comment ça va être pour ça. Parce que j'ai bien peur que... c'est waouh, quoi. Alors. Bah oui! Regardez, on va remourir. Bon bref les amis, je vous souhaite à tous et à toutes de vous porter bien. Et on remet encore une fois, c'est pas grave. Et je vais essayer de régler ce problème là, parce qu'on va pas pouvoir continuer ainsi dans ce cas là. Donc les amis, je vous retrouve plus tard.
Je vous retrouve dans bah, pour l'épisode 8, hein, parce que c'est pas terminé, c'est pas parce qu'on est mort que l'aventure est terminée, loin de là, vous êtes fous ou quoi. Bref, j'espère que ça vous aura plu, et moi je vous dis à bientôt pour le prochain épisode, je vous dis allez les amis, ciao ciao!